Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui, on est le samedi 6 février. On est à Rousson aujourd'hui pour le départ. Hier, je ne vous ai pas filmé de vidéo parce que j'essaie d'en profiter un petit peu moi aussi. Et vous avez le vlog qui est sorti, j'ai galéré à le mettre et puis finalement il s'est mis tout seul dans la nuit, j'ai abandonné. Et voilà, aujourd'hui, ce matin il faisait super froid. En plus hier, en mettant ma grosse doudoune, j'ai bloqué mon écharpe dans la fermeture, donc impossible de le défaire. Donc je me retrouve avec ma petite veste en cuir aujourd'hui et ce matin il faisait très froid. On est toujours au départ, on va pouvoir les voir passer devant nous. Hier, ils ont changé le parcours à Bessèges, donc on n'a pas pu voir le départ hier. Donc voilà, aujourd'hui on va essayer de le voir passer devant nous et après on ira à Saint-Siffré qui est après Uzès pour les voir passer parce qu'ils passent deux fois. Donc on va essayer de faire ça et écoutez, je vous reprends. Je pense que je couplerai aujourd'hui et demain. Et hier j'ai mon mari qui a fait des petites vidéos des passages, donc je vous mettrai tout ça, je vous incorporerai tout ça à la vidéo. Et voilà, bah, écoutez, je vous reprends tout à l'heure et maintenant je vous fais de gros bisous.
c'est le 16 ou le 16-6, c'était rien qu'à gagner aussi. En fait. J'espère que vous allez bien. On se retrouve, il est bientôt 8h, on est rentré à 5h30. On est passé chez ma belle-mère récupérer en fait la veste. Elle a réussi à me sortir l'écharpe de la fermeture que j'avais bloquée hier parce qu'aujourd'hui je me suis pelée. J'espère que normalement demain on a du soleil donc il va faire super beau. Voilà, là je vais aller à la douche parce que j'en peux plus. Quitter mes lentilles parce que là j'ai pris ma douche avec mes lentilles. J'avais oublié les lentilles. Et voilà, après on s'est perdu après-midi, le départ a été super, puis on est allé à Saint-Siffré. Alors le GPS nous a fait faire n'importe quoi parce qu'on a atterri à Saint-Maximin, on a été bloqué, on ne pouvait pas en fait par Saint-Maximin atterrir à Saint-Siffré. Donc il a fallu qu'on fasse le tour, donc le grand tour. Arrivé à Saint-Siffré, on s'est bloqué littéralement dans Saint-Siffré. Donc c'était petite ruelle en fait où vous passez à une voiture et encore. Vous allez avoir le vomito, j'ai mal. Vous passez à une voiture et encore, donc on s'est retrouvé bloqué là. J'ai craqué, j'ai dit à Stéphane, j'ai dit écoute, si on ne trouve pas, on rentre à la maison, ça sera pareil. Et en fait, on est arrivé dans le village et on est resté bloqué en fait tout en haut du village. Là où il y avait la télé en fait, donc on ne pouvait pas, c'était pour faire des manœuvres, c'était une vraie merde. Donc ça a été la catastrophe. Et donc au moment j'ai assez mal, j'ai dit écoute c'est pas grave, on va essayer de descendre à pied, sauf qu'en fait c'était ruelle. Quand on s'est approché en fait c'était pas du tout, c'était beaucoup plus bas que là où on était. J'ai assez mal, j'ai dit comme si on prend pas la voiture qu'on y va à pied. À mon avis, moi qui mets 2 heures à marcher avec les soucis, je vais pas pouvoir. Et voilà. Donc on a pris la voiture et on est allé, je sais pas. On est allé presque à la ligne d'arrivée, puisqu'on s'est garé sur le côté, on a marché, on était à 150 mètres de la ligne d'arrivée, c'était génial. Bon, remarquez, on les a vus passer à plusieurs endroits, ce qui était pas mal. Moi, je les avais jamais vus en descente, je les ai vus en descente, et croyez-moi, c'est impressionnant. Je languissais qu'ils soient tous descendus, parce que j'avais l'impression qu'un avis qui allait se ratatiner la poire par terre. Et voilà, on a vu Bernal, encore une fois, super proche de nous, qui est fait de chez devant nous, qui est passé, en fait, pépère le gars, puis après il y en a qui m'ont appelé, il a fait coucou, donc c'est super sympa. C'est vraiment en fait quelqu'un qui est super sympa avec ton public quoi, donc ça fait plaisir. Et regardez, j'ai récupéré ma dream light. Alors c'est la petite que j'ai pris, donc il va falloir que je la mette à charger et puis que j'essaye voir ce que ça donne. Et voilà, là ça va être la douche. Alors j'ai plus de place, donc je sais pas si je vous mets le petit vlog ce soir parce que c'est vraiment tout petit, il y a juste des extraits de vidéos. Et voilà, parce qu'en fait j'avais des produits finis, mais les produits finis sont là-bas et j'ai pas beaucoup de mémoire. Donc je vais voir, soit je vous ferai les produits finis une prochaine fois, soit je vais voir si je peux balancer en fait les images que vous êtes en train de voir sur Facebook, sur ma tablette, pour pouvoir de même vous filmer plein d'autres choses. En tout cas, je vous laisse et je vous dis à plus tard.